Hey, hey, hey! Me revoilà pour un nouvel épisode sur Disney Dreamlight Valley. Épisode qui sera un peu moins long qu'à l'accoutumée parce que je vais assister à 20h à une conférence sur le taoïsme. Je ne sais pas très bien ce que c'est, je ne sais pas ce que ça vaut comme conférence, mais j'ai vu une pub, ça avait l'air sympa. Je me suis dit pourquoi pas. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention dans tous les cas de vous embrigader dans une secte. J'ai déjà pas l'intention moi-même de me retrouver dans une. J'ai pas les finances. Toujours est-il que dans le dernier épisode de Disney Dreamlight Valley, nous avons chassé les anguilles pour pouvoir permettre à Maui de faire pousser des noix de coco. Parce que c'est tout à fait logique. Et nous avons également libéré la vallée de la malédiction que Mergothel avait embarquée avec elle. Et nous avons appris une chose incroyable que je ne savais pas du tout parce que je n'avais pas du tout déjà fait cette partie du jeu. Nous sommes la monarque disparue et que personne ne s'en souvenait. Tadam. Bref, épisode plus court, nous avons 43 minutes avant que ma conférence commence. Donc 43 minutes pour farmer et faire pousser des noix de coco. Autant y aller rapidement. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok, comme d'habitude, j'ai failli dire Tic-Tac, où vous trouvez davantage de contenu. Pas de Tic-Tac par contre. YouTube, toutes les rediffs, TikTok, un extrait chaque jour des moments sympas de jeux auxquels j'ai joué précédemment. Et voilà. Allez, on est parti. On n'a pas de masse de temps. Coucou, Maui. Il est venu jusqu'à moi pour que je lui donne son anguille. Maui a toujours du temps pour Te voilà, ses Lily. fans. J'ai raconté à mes amis mes nombreux exploits. Je leur ai aussi donné des conseils capillaires. Oh, tu as trouvé une anguille? Super, maintenant il faut qu'on la plante sur la plage. Oh, et n'oublie pas de l'arroser. Bientôt, tu auras un cocotier grâce à ton serviteur. Oui, je vais apprécier cette noix de coco dans mon benou. Assure-toi de m'en apporter une. Certainement, c'est très logique. Qu'est-ce que j'embarque? Je vais t'embarquer, toi. Je ne sais plus qui voulait quel cadeau, par contre. Cadeau. Ton... J'ai pas. Oli. J'ai pas encore parlé à Mini. Poivron. Poivron, j'ai pas... Je pense... Par contre, le tournesol, oui. Wally est content et moi j'ai gagné un niveau. Alors, on a Christophe et Minnie que j'avais pas encore vu. Toi, je t'avais déjà parlé. Tu voulais un grenat brillant, une salade verte et du minerai de fer. Le minerai de fer, tu te feras tirer à te faire voir. En fait, je n'ai pas envie. J'ai pas de grenat brillant. Le grenat brillant, je serais prête à lui sacrifier. Le minerai Très de fer? gentil avec tout le monde, Non. c'est super. Attends, peut-on parler? Que fais-tu aujourd'hui? En fait, je pensais escalader un glacier aujourd'hui. C'est tout à fait logique. Ça a l'air amusant. C'est amusant, j'aime le sentiment d'accomplissement au moment d'atteindre le sommet d'une haute montagne. J'ai hâte de regarder en bas et de voir toute la vallée d'un seul coup d'œil. Ça a l'air magnifique. Je suis sûre que ça le sera. Des vues comme celle-là te font vraiment réaliser quelle est ta place dans le monde. Merci. Salut. Est-ce que tu veux un cadeau que j'ai en ma possession de l'argile? J'en avais, mais je pense pas que je l'ai encore. Parmentier de poisson, rien que ça. Je n'ai pas. Je n'ai pas, je n'ai pas. Tiens, voilà un citron. Tu es vraiment adorable. Wouhou! Ah, salut Mini. C'est très gentil de ta part. Bonjour, oh, bonjour. Salut Lily, quel plaisir de te voir. Tu as l'air de beaucoup aimer les nœuds. J'adore les nœuds, c'est mon accessoire préféré. Il y en a tellement de sortes. Les nœuds papillons, les nœuds avec un bouton, les nœuds en ruban. J'aime les gros nœuds volumineux. J'aime les petits nœuds élégants. Gros nœuds volumineux. Ils sont tellement rigolos ceux-là. Mon gros nœud préféré est fait de boucles. De jolis rubans rouges. Est-ce que j'ai par hasard un truc qui te plaît?
putain, les groseilles, j'aurais pu. Des capucines, sérieusement? On a ça? C'est gentil! Attends, les groseilles, il y a peut-être moyen que j'en trouve pas loin, là. Eh là 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 là! Mélie! Mélie! Tu es là. Je suis soulagée de voir autant de gens gentils ici. Groseille. Te voilà ravie. Excusez-moi, je réponds à mon amoureux. Ok. Au revoir, je t'adore, ne l'oublie pas. Ah ouais, je sais même pas l'emmener avec. Merci. Moi tant que j'ai pas le niveau 2. Gothel, oh, bonjour, je sais plus ce que tu veux. Tu ne te laisses jamais de te regarder. Oh. Je ne me lasse pas de regarder mes pommettes. Les pommettes hautes sont universellement attirantes et les miennes sont particulièrement belles. Ah. Une bonne structure osseuse est le fondement de la beauté. C'est plutôt glauque. J'imagine que tu aimes ça parce que ça ne te... Tu ne disparais pas avec l'âge. La beauté vient de l'intérieur. Ça. Très perspicace. Maintenant, sois aimable et ne me parle plus jamais d'âge. Tu es gentil avec tout le monde. C'est super. Oh. Qu'est-ce qui t'intéresse? De la citrine. Ah, c'est con, j'en avais il n'y a pas longtemps. Eh, je me mens, c'est pas des asperges que je... Le sushi au thon, rien que ça. Bien. Je sais faire des sushis. Tu sauras à présent qu'il faut toujours m'écouter. Je crois que c'est ça. Madame, est-ce que c'est ça? Oh. Non, c'est de l'okra. Ouais, tiens, ce sera de l'okra. Je... Tu as besoin d'acheter quelque chose? Va-t'en. Viens me voir. Toi, tu voulais quoi? Tilapia, aigmarine. Je n'ai pas tout ça. Tiens, prends un citron. Oh oh. Wow! À plus tard. Je me souviens que Picsou m'avait dit que l'okra c'était un bon plan niveau financier. Merlin! Je vois que tu brilles, reviens! Très bien, nous avons du travail! Bonjour! Qu'as-tu là, Lily? Ah, mes notes, j'ai cherché partout! Oh. Et c'est aussi une bonne chose que tu aies trouvé. Je n'aurais pas voulu qu'elle tombe dans de mauvaises mains. Je n'ai pas compris ce qu'elle disait. C'est une affaire de magicien importante. Elle parle de quoi? Extraordinaire. Je suppose que c'est vrai d'une certaine maintenant, manière. Tu vois, je crois qu'il y a un plan abominable à l'œuvre. Alors j'ai commencé à noter ce que j'observais. Magotel et Ursula se rencontrent partout dans le village. C'est de la manigance quelque chose, je le sais. On ne peut pas leur faire confiance. C'est pourquoi je garde une trace de toutes leurs petites rencontres. Quatre fois déjà, je les ai surprises en train de manigancer. Elles s'échangent toutes sortes de... Eh bien, mystérieux ingrédients et fioles. Et quand je m'approche, elles se taisent et partent en courant. Alors Ursula, elle court pas déjà. Cela dit, je suppose que dans le cas d'Ursula, je devrais dire en nageant. Voilà. Elle doit fomenter, ça a l'air suspect, mais il nous faut des preuves. Quel dommage! Eh bien oui, tu as plutôt raison. Et mes capacités de divination ne peuvent pas nous en dire plus. Nous devons découvrir ce qu'elle mijote. Ursula et Mergotel te font plus confiance qu'à moi. Peut-être que nous pourrions utiliser cela à notre avantage. Je soupçonne que tu pourrais suffisamment te rapprocher pour entendre ce qu'elle mijote. Il découvre, il crée. Tu as vu cet endroit? Ma curiosité a aussi piqué. La curiosité est une bonne raison pour agir. Et ce vieux dicton sur le sujet qui n'est pas très sympathique envers les chats. Mais chaque grande découverte tire sa source dans une pointe de curiosité. J'ai chaudé craint l'eau froide, ça. Je ne peux pas deviner ce que Mergotel et Ursula mijotent, mais je connais précisément le lieu de leur prochaine rencontre. Il se trouve dans
les jours... Dans les jours... Tous les jours dans le bayou de la confiance. Ils ont déjà rencontré plus tôt aujourd'hui, alors tu devras attendre demain pour les surprendre. Souviens-toi, le bayou de la confiance. N'oublie pas, ton imagination est une forme de magie puissante. Excusez-moi, j'allais enterrer une anguille pour avoir un cocotier. Oh, Rémi! Salut. Apprends-moi à cuisiner. Les pâtisseries sont le sujet du jour. Je vais essayer d'amener les pâtisseries de mon restaurant au niveau supérieur. Mais je vais me concentrer sur une pâtisserie à la fois. Quelle est ta pâtisserie préférée? Personnellement pain au chocolat à la banane. Croissant donuts. Dur. Donuts. Les donuts sont une pâtisserie, mais je n'en sers généralement pas. Alors je ne sais pas grand-chose sur leur confection. C'est quelque chose à corriger. Bon, je vais étudier les donuts. Merci. Bonjour. Je t'en prie. Voici un cadeau. Tu veux des épinards? Un gâteau d'aurore. Mais tu demandes que des trucs chiants, toi, en fait. Tiens, un citron. Il faudrait quelques traînées de plus. Ah. Enfin, bonne équipe. Il a pas l'air content. Je l'ai vexé. On dirait. Je sais pas pourquoi. Je me sens un petit peu surveillée. Un tasard. Quoi que ça puisse être. Je suis soulagé de voir autant de gens gentils. Attends, j'avais un truc pour Picsou sur la plage, je crois. C'était sur... Qui m'a demandé de venir ici? Ça. Coffre verrouillé de Picsou sur la plage. Il semble qu'il avait parlé de près d'une grotte, mais il savait pas laquelle. Je suis tellement content de te voir. Tu lui racontes du souvenir de quête d'indice. Ah oh bon, c'était ici? Je ne le savais pas. Je cherche un coffre. Je pense pas que ce soit ici. Mais... Bon, pourquoi il y a une belle... Là j'ai un coffre. Et trop d'items. Qu'est-ce que je vais faire? Minerai de charbon, je peux jarter. Alors, si je fais ça intelligemment, je récupère d'abord ça. Parce que ça, je peux faire ça. Oh, elle est belle! Et ça, c'est une améthyste à mon avis. Ce n'est absolument pas ce que je cherche. Ça, je m'en fous.
J'ai un poisson doré là-bas, je vais le pêcher. Juste que je vende d'abord un peu des trucs. Salut mon ami. Les graines de tomates, là j'en ai pas besoin. La terre enrichie, je sais que j'en aurai besoin à un moment donné. Finalement, il me faut un plateau de fruits de mer. Ça, je vais le filer à quelqu'un. Okra. Ouh, okra, ça fait vite grimper. Hein. Métiste brillante, du groseille. Les cailloux me servent à rien. Ah, vas-y, les homards, je les vends, ça me fait 950. Ouais. 450 pour un taser. Ça, j'en ai besoin. Peut-on me rappeler? De quoi j'ai besoin pour agrandir 20 000? Je suis à 13 000. En vrai, il y a moyen. Si je pêche, je pense qu'il y a grave moyen que je fasse quelque chose d'intéressant. Je vais mettre 3 décos sur l'esplanade, je savais pas, je vais faire ça aussi. L'esplanade, c'est là, je pense. On va mettre un vélo. C'est pas du tout l'esplanade, là, je suis pas encore assez loin. Ici. Je vais mettre un vélo devant chez Mickey. Côté de chez Mickey, genre c'est son vélo. Un coffre à rafraîchissement. Pas tellement de trucs à mettre dehors. Ouais. Je vais mettre. C'est quoi un petit fauteuil à côté de chez Merlin. Je sais pas pourquoi, mais. On va dire, il se fait vieux, donc il aime bien se poser là et boire des bières. C'est pas du tout là l'esplanade, mais je fais de la merde. C'est quoi, on va dire que ça... Ce serait une déco devant chez moi. Conversation quotidienne. Changer de tenue, planter 5 légumes, retirer 4... Changer de tenue chez J. Tu veux... Ah, je l'ai pas acheté le short skinny rouge. Ça compte comme un changement de tenue, ça? Hop. Conversation quotidienne, faudrait que je trouve quelqu'un que j'ai pas encore croisé. Pas sûr qu'il y ait encore quelqu'un que j'ai pas croisé aujourd'hui. Je cherche un coffre. Un coffre, c'est pas très mieux pour le moment. Je sais pas. C'est là-bas.
question que je me pose, c'est est-ce que c'est un coffre qui était déjà là avant? Ou... Il y a quoi une bouteille là? Je dois en avoir combien de machins comme ça? Et revoilà un taser. Toi, je vais t'ouvrir pour avoir encore une blessure d'émeraude. Je cherche un coffre près d'une grotte et je ne trouve pas. Il n'y a pourtant pas tellement de grottes. Ah, je l'ai, je crois. Tu as réussi, oui. Ok. J'ai donc ça. Il faut que j'aille pêcher. Ah. Attendez, attendez, mon autre cocotier. A besoin d'eau. Ouais, je réfléchis, mais je vois pas à qui j'aurais pas parlé. Mon autre cocotier est là. Je dois pêcher une clé. Ah, il y a un truc doré là-bas. Okay. Et on arrive aux heures de merde. Le soleil me tape en pleine face. Est-ce que j'ai un truc que je peux manger? Je pense pas. Les trucs que j'ai, je préfère les vendre. Salut! Je suis pas si loin. C'est chouette. D'avoir la place dont j'ai besoin. Le pognon dont j'ai besoin, d'avoir pas la place. Bon. Petit aller-retour par la maison. Hein. Laissez-moi tranquille, les mouches. C'est pas votre heure. Pas tellement d'heure d'ailleurs, mais. Laissez-moi tranquille. J'ai récupéré de la place, tiens. Tant que je sais pas à quoi ça sert, les patates, je vais peut-être les mettre là. Parce que pour le moment, elles m'emmerdent plus qu'autre chose. Il faudrait que je retrouve qui est-ce qui a besoin de...
En vrai, les algues rouges, je pense pas qu'elles servent à autre chose qu'à avoir des vraies algues. Donc je vais faire ça comme ça. J'ai plus d'algues dans mon inventaire, mais ça me prend moins de place. Hop. Là. On retourne pêcher au bayou. Et je vais essayer de me décaler un peu. Ouh là là, je suis très surexposée. Parce que je vais pas avoir le choix que d'aller fermer le rideau. J'arrive. Et me revoilà moins surexposé. Plus du tout surexposé en vrai. C'est un poulpe. Et revoilà un bobo. Il est toujours fâché, mon chat. Allez, niveau 6 avec Donald. Là, je le sens plutôt bien. J'ai ma clé. Et re un poulpe. Non! Putain de merde. Mais vous avez vu à quelle distance vous les avez mis, c'est dégueulasse! Je sais pas si c'est ça que je voulais faire, mais... Bref. C'est les fèves de cacao, je crois. Cet endroit, c'est le pyjama du chat. Quoi? Tiens, salut!
Attends, j'ai quelqu'un qui voulait un ton, je sais plus qui. Argile, j'en ai besoin, le harangue, je m'en fous. Oh, les poulpes, c'est bon, ça, ça va. Ça me ramène masse pépette. Ah, j'y suis presque. C'est chouette. Attends, c'est qui voulait ça? Toi, tu veux quoi? Du thon? Ben voilà. N'oublie pas, ton imagination est une forme de magie puissante. Ok. Elle est pas ici par hasard. Non. Pas du tout. C'est pas ici que j'ai mon frère. Donc. Attends, ça va, j'y reste. J'ai reçu mon lien pour ma conférence. Bon, elle était là il y a 2 secondes, elle est où maintenant? Oh, c'est une blague, mais c'est là où j'étais il y a 2 secondes! N'oublie pas, ton imagination est ah bah. Une forme de magie. J'ai hâte d'être amoureux! Comment ça va? Rien qui t'intéresse. Tiens. Tu en as mis du temps. Je te taquine. Je supporte pas elle. Le voilà, le parchemin du soleil. On se rapproche de la pierre solaire. Tout ce que ça a pris son énorme effort pour ma part. Bien sûr, tu es là, Lily. Je ne manquerai pas de te prévenir quand j'aurai à nouveau besoin de toi. Pour leur fil, j'ai un parchemin utilisé. Vraiment. Je te taquine. Il me faut 5 émeraudes et 10 champignons. Je sais plus ce que j'ai trouvé dedans. Je sais pas, mais ça, ça brille. Ah, il y a du fer. Qu'est-ce qu'il y a, chachou? Ok, donc ici aussi, je peux crafter du fer. C'est une bonne chose. Père, tu veux prendre ton envoi SMS? C'est la petite sirène, non? Que les émeraudes. Que c'est beaucoup dire.
quête. Ah putain, j'ai trop de roulis. Quand il oublie. Et ça me fait récupérer la place dans mon inventaire. Ça, c'est cool. Les émeraudes, je les craft où? Émeraude, forêt du courage, j'ai pas eu la confiance. Ça tombe bien, c'est là où je sais choper du fer aussi, si je me trompe pas. Oh, ok, nickel. Nickel, nickel. Les astres s'alignent, Chachou. Les trucs dont j'ai besoin sont au même endroit et c'est la même façon de les collecter les deux. Il est où, lui? Là. Où est mon homme? Je sais bien, tu es pas content. Je le sais bien. Tiens. La machine est réparée, youpi! On a réparé la machine, mais je ne sais toujours pas à quoi elle sert. Oh, tu lèves la main comme à l'école, tu sais à quoi elle sert? Est-ce que c'est une machine à fabriquer les souvenirs? Est-ce que c'est une chose qui sert à casser des choses? C'est une machine qui sert à trouver des souvenirs. Je vois, donc c'est sûrement pas à cause de cette machine que le souvenir est apparu. Le souvenir était cassé parce que la machine était cassée. Maintenant qu'on l'a réparé, je me demande si plus de souvenirs vont apparaître. Nickel. Ok. Pour le moment, toi c'est des blocs. Pas des blocables. Allez. On va espérer avoir du bol et que Donald soit efficace. J'ai du fer. Je suis en train de me dire, mais du coup, j'ai le fer dont j'avais besoin, mais non, il me refait du fer pour. Merlin. Bon, pas Merlin, dingo. Pour réparer le bateau. Poisson bleu, ça m'intéresse. J'espère que la fortune va te sourire. Ok, on va y avoir la confiance, je ne vois rien. Il faut avoir du courage. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Je vais juste faire un tour rapide des zones de collecte de minéraux. Le céramique. Je suis moi, c'est quoi ce machin? J'ai une deuxième émeraude. Et de 3, merci Donald. Je suppose que tout le monde t'a dit que j'étais la méchante. Allez, vas-y, 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 vas-y. Yes!
Nous avons de la chance. Il est où Merlin? Par ici, il Tiens. Faut qu'on parle. Splendide, nous avons tous les ingrédients dont nous avons besoin. Passons à l'enchantement. Egitus, Vegetus, Omedus, l'eau. Plante inquiquinante, disparaissez. Et voilà, ça devrait marcher. Fait un essai sur ces petits champignons qui bloquent l'un des chemins du village. Je me demande ce que fait Dingo. Ça fait un... Ça marche que sur les petits champignons, par contre. Et trois. Et c'est sur cette victoire que nous allons nous arrêter. L'enchantement fonctionnait merveilleux. Nous avons découvert deux choses importantes. Que les éclats nocturnes purifiés constituent de puissants outils. Et un moyen de nous débarrasser de ces pénibles champignons. Et un effort productif, en effet. Ah, bravo ! Ok. Il faudra aussi l'amitié niveau 10. Bon, sur ce. Comme je l'avais dit, cet épisode plus court. J'ai une conférence qui m'attend. Espérons que ça va être intéressant. Dans tous les cas, je pense jouer à Dragon Age après. Je verrai bien. Je sais pas combien de temps la conférence dure. Mais bon, je pense pas que ce sera assez long pour que je veuille aller me coucher directement après. Nous verrons bien. Toujours est-il, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok pour retrouver davantage de contenu. Sur YouTube, toutes les rediffs. Sur TikTok, un extrait chaque jour des moments sympas de jeux auxquels j'ai joué précédemment. Et voilà, beaucoup de jeux d'horreur, jeux de plateforme, jeux de survie, jeux narratifs, RPG, je fais plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas, suivez-moi, laissez un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça, vous connaissez la musique. Et moi, je vous laisse ici, avec toujours ma jolie cahouette à l'écran, à laquelle je pense beaucoup. Bye bye!